Martine Plazalesta d'Abbouzatassé, quel plaisir. Alors avec son parcours magnifique, son œuvre si originale et hors du commun, Nadaw nous a déjà montré qu'il était possible de surmonter certains blocages culturels propres à notre nation. Oui, il est possible, tout en maniant le français à merveille, en jouant avec, de renouer avec cette langue des troubadours, béarnais, Gascon de la montagne, ces rameaux florissants du grand arbre millénaire des langues occitanes que vous voyez se déployer sur la carte, et de la faire vibrer cette langue aux accents de la poésie, de l'humour et de la tendresse. Oui, il est possible de faire une carrière brillante sans quitter sa région et en jouant aussi bien dans une salle des fêtes de village de 300 âmes que dans un zénith ou dans la salle de l'Olympia. Oui, il est possible d'essayer de dépasser un peu cette bergougne que nous avons sur nous depuis que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont appris à l'école que si l'on voulait réussir dans la vie et dans la société, mieux valait oublier la langue maternelle qui était la leur. Et puis, oui, il est encore possible de se rassembler aujourd'hui dans notre temps qui est si divisé, si tendu, pour se mélanger entre générations, entre convictions politiques différentes, pour fêter cette culture qui nous est commune et que l'on a envie de projeter vers l'avenir. Alors à tous ces niveaux-là, Nadaw nous a déjà fourni, j'espère que vous en serez d'accord, de solides raisons d'espérer. Mais cette espérance a pris une dimension un peu spéciale pour moi, le jour où j'ai attrapé le disque qui, à la maison, c'était peut-être aussi chez vous le cas, trônait au-dessus de l'évier, pour me saisir du livret et en écoutant les chansons qui nous sont chères, regarder le texte en bilingue et ainsi commencer à réapprendre cette langue de ma grand-mère qu'elle s'était bien gardée de transmettre à sa progéniture et que maintenant je peux, dans un esprit un peu utopique, moi béarnais de la diaspora installé maintenant en Bourgogne, parler à mon petit garçon de 2 ans. Et pour mieux comprendre cette espérance, la réflexion qui la nourrit, parce qu'elle ne vient pas tout seule. C'est vraiment ce souci de comprendre le monde, de l'analyser et d'adopter la réaction juste qui l'a rendue possible. Et bien pour approfondir toute cette histoire, j'aimerais que vous accueilliez avec l'honneur qu'il se doit notre cher Yann de Nadaw. Richard Mundi. Adieu. Bon. Je crois que tu as tout dit. Attends. Je ne sais pas ce que je vais dire maintenant. Et ils vont trouver que l'invitation gratuite était trop chère s'ils s'en vont maintenant. Bon. Alors, pour commencer, te mettre à l'aise, je ne vais pas te demander de parler de toi tout de suite. J'aimerais que tu nous parles de ce présentateur insolite qu'il y avait pour vos derniers zéniths à Pau, le zénith des 50 ans. Puisque vous fêtiez 5 décennies de carrière, mais lui, ce présentateur, ce maître des cérémonies, n'en avait guère plus d'une au compteur. Il avait 13 ans, il s'appelait Louis. Tu peux nous redire qui c'était et pourquoi vous lui aviez confié cette difficile mission de vous présenter sur scène ? Ben Louis, c'est mon petit-fils et j'ai 6 petits-enfants, voilà. Et puis ils sont quasiment tous allés à la calandrette et puis ils parlent quasiment tous béarnais, plus ou moins bien, mais plutôt mieux que ça, voilà. Et puis, quand je leur téléphone, quand on se téléphone en béarnais, voilà. Parmi eux, il y en a une à qui tu as consacré une chanson, c'est Colline, Couline. Oui. Je crois qu'elle n'est pas née sur notre continent. Oui, parce que, alors, je ne m'attendais pas à cette question. Il y a mon fils qui est là ce soir. Et ce fils, il avait 3 garçons. Et puis, ils ont adopté une 4e petite fille qui s'appelait Colline, qui était en Colombie et qu'on avait trouvée dans un carton. Voilà, sur la route. Et donc, j'avais composé une chanson qui s'appelait Colline canta. Et
c'était la parole de cet enfant qui était dans un carton et qui disait « Un jour, j'irai au bout du monde, j'aurai trois frères pour me défendre des petits messieurs. » Voilà. Colline Kant. Si on essaye d'imaginer la différence entre ton enfance et celle de ces petits-enfants dont on a parlé, la différence entre leur rapport à la langue, leur perception de la culture et celle qui était la tienne au début de l'itinéraire, qu'est-ce qu'on trouverait comme différence ou comme point commun? Je crois qu'ils n'ont pas trouvé ce que mes souvenirs à moi, c'est-à-dire que lorsque j'étais jeune, j'entendais parler patois, on disait parler patois à la maison. Et j'entendais, mais au niveau de mes grands-parents, ils parlaient toujours entre eux, mais à nous, ils nous parlaient jamais. Ils en avaient pris plein la figure, comme on dit, pour être poli, à l'école. D'ailleurs, quand j'ai dit à ma grand-mère que je voulais réapprendre le gascon, elle m'a dit non, il ne faut pas. Et j'ai dit pourquoi ? Mais parce que ce n'est pas bien. Et puis parce que l'instituteur à l'école, il nous disait surtout de pas parler comme ça. Et puis il était puni quand il parlait comme ça. Et donc, j'ai été très surpris. Mais quand même, après, j'ai vu qu'elle était fière quand même. Et donc ça, c'est un fait qui peut-être n'est pas bien présent à l'esprit de ton public, surtout le public des dernières décennies les plus récentes. C'est que quand on te voit, Dabloubouné Tsouka, Pata, bon, tu es l'Occitanitude incarnée, si tu veux. Mais au départ du parcours, quand vous vous lancez avec Ninou Paloumet et Jacques Roth, vous vous rencontrez à l'école normale de Tarbes. À ce moment-là, Ninou a gardé le béarnais, ça a été transmis en famille, elle a eu cette chance. Mais toi et Jacques, vous ne le savez pas encore. Qu'est-ce qui vous passe par la tête de vous dire on va chanter dans une langue qu'on ne maîtrise pas totalement? Qu'est-ce qui vous a fait croire que c'était possible? Et comment t'y es-tu pris pour franchir les premières étapes qui sont, comme on le sait très bien, les plus difficiles du voyage? Je crois qu'on avait fait une découverte. C'était dans les années 70. Au Palais des Sports à Toulouse, il y avait un chanteur occitan qui venait du côté de Carcassonne, qui s'appelait Marty, et Claude Marty. Et puis, merci pour lui. Et il chantait « Mais perché m'han pasita a l'escolo, la langue de mon pays ». Il chantait comme ça. Et c'était un concert à Toulouse avec Paco Ibáñez, je m'en souviens, un chanteur espagnol. Et lui, il avait fait la première partie. Et moi, je vois ce type arriver, et puis qui chantait en patois. Mais je dis, mais il chante comme ma grand-mère. Et puis, ça m'avait vraiment, vraiment rentré dedans, ce tour de chant-là, ce qu'il disait. Il disait ça avec une belle voix grave. Et il recommençait. Il nous parlait de l'histoire, il nous parlait de notre histoire. Voilà. Et puis, un jour. Moi, j'étais un pur produit de l'école républicaine, c'est-à-dire un de ces enfants qui avait bénéficié des bourses pour aller à l'école. Et voilà, je me souviens, il fallait surtout pas redoubler, sinon on perdait les bourses. Et puis mon père m'avait dit, il faudra trouver un autre métier. Et je suis devenu enseignant, j'ai été nommé au Pays Basque. Et là, vous allez voir, c'est curieux parce que c'est toujours quand on sort le poisson de l'eau qu'il s'aperçoit que l'eau, ça lui manque. Et un jour, je me trouve à Saint-Jean-Pied-de-Port dans la salle d'attente d'un médecin. Et là, il n'y a que des Basques qui parlent entre un Basque. Et puis à la fin, il ne reste plus qu'un vieux et moi dans la salle d'attente. Et puis il m'adresse la parole en basque. Je lui dis, moi, excusez-moi, je ne comprends pas le basque. Il me regarde et puis il me dit, vous êtes quoi, vous, alors? Et là, je me suis dit, je suis quoi, moi? Je suis quoi? Et le fait d'être à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais c'est quelque chose de très courant, ça. C'est qu'on s'aperçoit de ce qu'on a quitté
quand on l'a quitté. Voilà. Et donc, j'ai refait le lien avec tout ça, avec ce qu'avait chanté Marty. J'ai commencé à acheter des disques. Et puis, j'ai eu envie de réapprendre. Et c'est là que j'ai été voir ma grand-mère et qu'elle m'a répondu ça. Non, c'est pas bien. Et puis, toute cette vie, ça fait 50 ans cette année, vous le savez, puisqu'on a fêté les 50 ans au Zénith et qu'on va continuer à les fêter. C'était ce bonheur de retrouver des danses, de retrouver des chants. Je suis venu en Béarn, moi qui étais originaire du Comminges, je suis au Comminges, du côté de Luchon, là-bas de la montagne. Je suis venu en Béarn parce qu'on disait qu'il est au pays de las cantos. Et moi, d'entendre chanter les gens, je trouvais ça extraordinaire. De gens qui se mettaient à côté les uns des autres comme ça, ils trouvaient des voix naturellement, ils chantaient à deux voix, avec une haute, une basse. J'avais vu même des bergers en Vallée d'Aspe qui, le jour de la fête à Les Atas ou à Bedouce, ils se mettaient là et puis chantaient des chansons qui avaient 15 couplets. 15 couplets, et puis ça durait 20 minutes la chanson ou 30 minutes parce qu'il fallait boire un coup entre chaque couplet. Et je trouvais ça tellement merveilleux, cette culture et tout ça. Puis je les entendais parler et j'étais bouche bée comme ça. Et je crois que j'ai couru après ça toute ma vie. En plus, c'était quelque chose qui pour moi était vraiment très pacifique et très... Mais j'avais besoin de ça. Voilà. Je vais dire quelque chose qui est connu depuis longtemps. C'est pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Mais voilà, je n'ai pas peur de le redire aujourd'hui. Quand tu commences, on imagine que toi et tes complices, vous étiez tout feu, tout flamme. Il y avait en plus l'ambiance des années 68 qui aidait le militantisme qui vous habitait et qui a un peu évolué depuis, cette flamme, bref. Et pourtant, il ne faut pas attendre très longtemps pour que dans tes chansons, très vite, tu te confrontes à un sentiment possible de mélancolie. Le sentiment qui nous pousse à baisser les bras, à dire, bon, c'est trop tard de toute façon, à quoi bon ? À quoi bon essayer de ressusciter tout ça ? Je pense par exemple, bon, le plus emblématique, c'est la chanson Yann qu'on trouve dans le disque Tumbas, c'est la citation 8, où tu vas t'adresser à ce personnage qui d'ailleurs porte le même nom que le personnage de scène que tu as choisi. Il dit, oh Yann, liebelu kap kapausurei, nei pas berta, tout nei pas biei, yamei. Oh Yann, l'upai disait que dallus plus, yade keha yo kansu damu. Bon, déjà, tu essayes de transformer les pleurs et le renoncement en autre chose. Oui, parce que c'est le blues. C'est le blues. C'est ça le blues. C'est... Qu'est-ce que c'est le blues ? C'est la bonne tristesse. Il y a de la mauvaise tristesse et puis il y a de la bonne tristesse. Et ça, voilà, c'est la nostalgie, c'est se sentir vivre. Tu sais. Même quand on est malheureux, hein. Mais on n'est pas malade. Il y a cet aspect-là, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi cette voix qu'on entend tous et qui peut être bon, la contradiction que quelqu'un nous oppose ? J'imagine à tous les parents qui ont osé mettre leur enfant en calandrette, mais à quoi ça sert ? Mais à qui il va le parler, l'Occitan ? Bon, et puis d'ailleurs, d'où ça vient ? Bon, c'est des choses qu'on peut se dire aussi à soi-même le jour où ça va mal. Toi, j'ai l'impression que tu n'as jamais cédé à ce découragement-là, que tu as toujours été sûr qu'il y avait un chemin, même si la destination était peut-être inatteignable, mais le chemin, il existait. Pour une raison simple, c'est à cause d'eux, là. C'est parce qu'ils venaient, c'est parce que ils venaient avec les petits enfants. Des fois, ils amenaient leurs petits enfants ou leurs enfants, et puis des fois, c'est les enfants qui amenaient les grands-parents. C'était parce que il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, moi, je viens avec mes parents au concert de Nadao parce que
tu dis des choses que je voudrais leur dire et moi j'y arrive pas. Et donc c'était ce partage de générations, c'était de parler et puis de photographier des choses. Des fois, il y a des gens qui me disent que je fais de la poésie, j'ai pas l'impression de faire ça, j'ai l'impression d'être un photographe, c'est-à-dire de prendre des photos de ce que j'ai vu autour de moi ou des photos de moments. Et si à un moment donné je dis que quand mémé elle me donne des bocaux pour partir à Bordeaux et qu'elle me dit tu me ramèneras les vides, hein, si tu veux les bocaux pleins tu me ramèneras les vides. Et ça s'appelle une photographie. Ça s'appelle une photographie et puis tout le monde se retrouve là-dedans. Et surtout quand elle dit après tu peux garder le caoutchouc. Et donc, il y a ces photos à prendre. Il y a ces photos à prendre. J'ai trouvé dans la langue béarnaise plein de choses comme ça, plein de proverbes, de dictons, parce que le béarnais, des fois, il va n'est pas au ras du hate. Il n'est pas à côté des choses. Il va directement aux choses, tu vois. Des fois, je vois la télé, ça me fait penser à un proverbe. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui s'attribuait des mérites qu'il n'avait pas. Et puis, j'ai pensé à un proverbe béarnais qui disait « Kenya qui s'est goûté chez une louplèche et les autres qui s'amassent les amours. » Il y en a qui secouent le buisson et d'autres qui ramassent les murs. Voilà, c'est ça la langue béarnaise aussi. Et voilà, quel beau combat. Quel beau combat. Pourquoi je n'ai jamais cédé au découragement? Parce que finalement, c'est des questions qu'au bout d'un moment, je ne me posais pas. Parce que je me dis, tu fais ce que tu as à faire, tu dis ce que tu as à dire, tu chantes ce que tu as à chanter. Et puis surtout, ils étaient là, eux. Ils étaient là. Et ils sont toujours là et encore plus nombreux qu'avant. C'est donc que ça représente quelque chose. Pas moi, mais les chansons, tout ça, se retrouver avec 4500 personnes au Zénith pour chanter l'Immortel ou pour chanter Aquelas Montagnes ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui partage tous ces gens-là. Ils sont ça. Et quelque part, tu te dis, ben, j'ai raison de continuer puisqu'ils sont là. Alors, voilà, la question ne se pose pas. Bien sûr que j'aimerais que tout le monde parle. Vous savez, je suis rentré dans ma maison de la montagne maintenant, où depuis 300 ans, on y est, toute la famille là. Et à côté de chez moi, j'ai l'Espagne. C'est-à-dire, l'Espagne, elle est à 10 km à la vol d'oiseau. Et je vois les enfants à l'Est ou à Bossos, dans le Val d'Aran. Mais il y en a beaucoup qui parlent 3-4 langues. Ils parlent le français, ils parlent l'espagnol, ils parlent le gascon à la maison, ils parlent le catalan. Et ils viennent dans les écoles françaises pour apprendre le français, tout ça. Mais ils ont une gymnastique intellectuelle qui fait qu'ils peuvent apprendre plein de langues comme ça. Et ils sont bilingues naturellement et tout. Parce que c'est nous qui allons chez eux pour aller chercher la bouteille de Ricard. Et les asperges qui sont moins chères. Je ne parle pas de la cigarette. Mais là-bas, les enfants, ils sont bilingues, trilingues, quadrilingues. Et quand je vois que du côté français, mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. D'ailleurs, ils ne viennent pas acheter les asperges chez nous. Hein. Mais ni le Ricard. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois bien la différence entre une éducation ouverte aux autres langues et ouverte aux langues régionales, au catalan, au gascon. Le gascon est très protégé en Val d'Aran. Tous les ans, on va y faire un concert, c'est de la folie là-bas. C'est de la folie. Et ils connaissent toutes les chansons par cœur et ils chantent là devant la scène « La garuno, chez Sbergugno, que s'en fout, que s'en bat à Bordeaux ». Et voilà, et c'est merveilleux.
et c'est merveilleux parce qu'ils sautent partout. J'ai l'impression qu'on est sur une autre planète à 10 km. À 10 km. Voilà. Et je crois, j'ai pas cessé de croire en tout ça. Et puis ils sont là. Ils sont là. Bon, évidemment, quand tu as écrit des Captali Murtel, tu ne savais pas que ça allait être l'hymne que c'est devenu. Et tu as bien dit et redit à tous ceux qui te posaient la question qu'il n'y a pas de recette pour écrire une telle chanson. Mais est-ce que tu te souviens un peu de l'humeur dans laquelle tu étais ou de la situation à laquelle tu réagissais quand tu as écrit les paroles qu'on va voir maintenant dans la citation 12 ? Et puis surtout ce qui vient après, cette idée qu'il fallait fixer un horizon, y aller ensemble, mais que notre seule franche marge de manœuvre, c'était d'essayer et de combattre Ça revient aussi à la question de tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas des façons de se décourager, de se fixer une lumière et de marcher? C'est ça la question finalement. C'est que la liberté, c'est pas une lumière qui est au bout. La liberté, elle est dans le fait de marcher, elle est sur le chemin. C'est ça que ça veut dire l'immortel. Dans toutes ces années, j'en ai vu des gens qui avaient arrêté, qui avaient commencé avec nous de faire des choses pour la langue, de se battre pour la calendrette, pour ceci, pour cela, Il y avait cette fraternité du combat parce que tu combats en même temps pour la langue, mais c'est pour ton grand-père, pour ta grand-mère qui en a pris plein la poire de parler comme ça et tout ça. Et donc j'ai vu ces gens, il y en a certains qui se sont arrêtés. Et d'autres, beaucoup d'autres et moi, on ne s'est pas arrêtés, on a continué. Et des fois, quand je vois leur gueule, je me dis, t'as eu raison de continuer. Bon. Le lien avec ton public, il s'est tissé bien sûr à travers les chansons, mais il s'est tissé aussi énormément, et on le voit encore ce soir, à travers les numéros que tu fais avant de chanter. Alors, on comprend très bien l'utilité de ces numéros-là. Ils te permettent de proposer une traduction anticipée du texte qu'on va entendre. Ça, c'est une première chose qui fait état de la maîtrise qui est variable dans ton public de la langue que tu vas présenter. Ça, c'est aussi ce qui rend ton spectacle exportable et accueillant pour tout le monde. On peut être tout à fait étranger à l'espace occitanophone et y rentrer très facilement. Ça te permet aussi de varier le ton, puisque tu vas y glisser un sketch, quelque chose d'humoristique, alors que peut-être la chanson qui suit est un peu plus sérieuse. Bon, voilà. Je t'ai rarement entendu t'exprimer là-dessus. Comment as-tu développé cette formule-là ? Comment ça t'est venu ? Et comment as-tu développé les savoir-faire qu'il faut ? Parce que c'est un art de la scène très différent que celui d'être avec l'accordéon et de chanter au micro. C'est très simple. Hein. C'est que on s'adresse à une assemblée de gens. Il y en a qui comprennent bien, il y en a qui parlent, il y en a qui ne parlent pas mais qui comprennent, il y en a qui comprennent moyen, il y en a qui comprennent un peu, et il y en a qui ne comprennent rien. Et donc, il faut à ce moment-là, l'idée c'est qu'il n'y ait aucun exclu, aucune exclusion. C'est que même un Anglais qui vient, il doit arriver à trouver son compte, s'il comprend un peu le français. Ça veut dire que cherchez pas la logique. Ça veut dire qu'il faut aller vers les autres. Et puis, moi, j'aime bien mettre en concurrence. J'aime bien mettre en concurrence les deux langues. C'est-à-dire, je sais qu'il y en a qui,
qui comprennent le béarnais, qui vont, et bien sûr le français aussi, et qui vont dire, ah oui, mais ça, à cause de la langue nostre, ça sonne. Et inversement, il y a peut-être des choses qui sonnent mieux en français, mais de toute façon, il n'y a pas d'exclu dans le concert de Nadal. Tout le monde me l'a dit toujours. Et même, c'est pédagogique. On essaie d'être pédagogique. Je suis un enseignant, donc j'essaie d'être pédagogique et de me dire, si je parle cambernais, il y en a la moitié qui est larguée d'entrée. Donc ça se passe bien comme ça, et puis il faut essayer de... On n'est pas là pour pleurer ni pour se lamenter, on est là pour parler de tout, et même des choses qui font rigoler. Donc on rigole bien au concert de Nadal, surtout quand on monte la côte de Cucuron à bicyclette. Et tu reprends aussi, l'air de rien, mais de façon consciente bien sûr, une tradition qui est celle... Alors, pas forcément des conteurs, mais on a des hommes de scène qui n'ont pas forcément laissé une grande mémoire, mais qui étaient extraordinaires. Et je crois qu'au début de votre carrière, vous avez fait la première partie d'un type incroyable qui s'appelait La Marco de Geus, qui était un humoriste béarnais, qui faisait des spectacles en béarnais. Bon, il y avait quelques numéros plus en français, mais... Oui. La Marco de Geus, oui. Il disait, Henri IV, il avait tout le Béarn. Sauf la propriété de chez nous, elle a toujours été dans la famille. Tout le monde dans la famille, qui disait. Et Henri IV, qui avait tout le Béarn, sauf la propriété de nous. Bon, c'est lui qui a fait le numéro du tracteur. Oui, la moutarde, le saladier de moutarde, tout ça, oui. Et j'imagine que tu prends un plaisir particulier à faire ça, non? Oui, alors, à la fin du spectacle, je remercie les gens pour plein de choses, pour leurs applaudissements, pour leurs éclats de rire, pour leurs larmes quelquefois, parce qu'ils rentrent dans leur propre histoire. Et dans leur propre histoire, il y a cette émotion. Et puis pour leur silence, extrêmement respectueux. Et il y a tout ça dans le spectacle. Il y a un temps pour rire, pour se moquer de soi-même, pour se moquer des voisins aussi quand même. Mais il y a tout ça. Et je crois que j'aime bien passer dans une chanson ou dans une présentation un peu de quelque chose qui fait beaucoup rigoler, et puis à un moment donné, qu'il s'arrête. Oui, cette tension que tu arrives à moduler à la perfection d'un moment à l'autre. Bon, quand on se lance, par exemple, inspiré par ton modèle, quand on se lance dans la redécouverte de cette mémoire enfouie, de ses origines, on court quand même un risque. Je ne sais pas s'il faudrait dire en faire trop, mais en tout cas, il y a une façon de cultiver l'attachement pour le Béarn et autres qui parfois nous fait verser un peu dans... Allez, je vais dire le ridicule, non ? Il me semble que tu en parles quand tu parles de cette façon de se regarder soi-même comme un stéréotype, comme un cliché. En se disant, il faut que je sois le Béarnais que les autres s'imaginent que je sois. Oui, c'est quelque chose qui est très... Pendant ces 50 ans, j'ai réfléchi à beaucoup de choses, surtout quand je voyais ce qui se passait autour de moi, dans les manifestations d'une ville, tout ça. Et je me suis rendu compte, et là on rentre directement dans le côté politique des choses. Je vais employer une expression grossière, veuillez m'en excuser. J'appelle ça le syndrome des trois plumes au cul. Qu'est-ce que c'est que le syndrome? Eh bien, c'est que on est dans une société française qui est extrêmement jacobine. Tout se passe à Paris. Et
quand on parle de la province, elle est toujours il y a toujours des clichés, bourrés de clichés. Le Corse, il est feignant. Le Basque, il est bondissant. Le Marseillais, il boit du pastis et il joue à la pétanque, etc. Et donc, ça, c'est l'image qu'on peut avoir de Paris sur la province. Province, provinci, c'est ceux qui sont vaincus. C'est ça. Je reviens au syndrome. C'est que, qu'est-ce qu'on est, nous, ici, par rapport à ça? On n'est pas ça, nous. On n'est pas feignant, bondissant, ou je ne sais trop quoi, parce que vous allez, même à la télé, à un moment donné, l'Auvergne, c'est un plateau de fromage. L'Auvergne, c'est un plateau de fromage. Mais vous vous rendez compte, on est réduit à être un plateau de fromage, quoi. Il y a des gens en Auvergne qui pensent le monde, qui vivent la guerre entre les Palestiniens, les Israéliens, ou Poutine, ou l'Ukraine. Ils pensent le monde autant que des Parisiens. Non, c'est un plateau de fromage. Et alors, j'en viens au syndrome, pardon. Qu'est-ce que c'est le syndrome? C'est de notre côté à nous. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Quel est ce ridicule dont tu parles? C'est quand on essaie de ressembler, nous, à l'image que les autres se font de nous. Autrement dit, on va se déguiser avec deux esclopes, un costume folklorique, et on va bondir. Où on va faire semblant d'être un feignant, où on va boire du pastis. Et nous, on est Marseillais, pour essayer de ressembler à la carte postale. Je m'excuse, je suis un peu long là-dessus, mais c'est... Et là, on est dans une posture de colonisé, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire, merci Buona. Merci Buona. On se met dans l'image que les autres se font de nous. Et on le voit d'ailleurs au niveau de la chanson. Il y a des chansons que j'aime ici. J'aime beaucoup la chanson traditionnelle béarnaise. J'ai fait plein de recherches dessus. Et il y a des chansons extraordinaires, des blues magnifiques, des choses extraordinaires, chantées par des gens merveilleux dans les montagnes chez nous. Si c'était dans le Mississippi, il y aurait France Culture qui serait là-bas déjà depuis longtemps. Et le monde entier s'extasierait sur ces vieux du Mississippi qui chantent le blues. Tu vois, on les a ici, on a les mêmes. On a les mêmes. Mais France Culture, ils ne viendront pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des chansons qui sont des chansons polies par des siècles de polyphonie, des siècles de... Le Béarn est un pays magnifique pour la chanson, extraordinaire. Et il y a des gens qui après sont venus au 19e siècle nous transformer en carte postale. Et là, tu tombes sur « j'ai ma ceinture, j'ai mon béret et mon opinel, et etc., etc., etc. » Je veux dire que on a le fier montagnard. Il y a autant de fiers que de pas fiers qu'ailleurs, chez nous, et pas plus et pas moins. Mais qu'est-ce que c'est ce cliché de carte postale? Mais on a les mêmes clichés avec Henri IV ici, avec tout le folklore d'Henri IV et tout ça. Mais c'est pas nous, ça. C'est pas nous. J'ai été un peu long sur le syndrome des trois plumes au cul, mais c'est ça que ça veut dire. C'est quand tu te les mets les plumes pour ressembler à ce qu'on veut que tu sois. Voilà. T'avais sa coquera l'umau. Mais toi, tu as le remède aussi. En tout cas, c'est un mot qui prend une place notable dans les chansons des dernières années. Et qu'il umut daunu. Alors, c'est la citation 16.
D'abord dans la chanson Montagno, que eu a uno de ste suster et de poudre de muradrit. Et puis, bien sûr, une des chansons inédites que tu as jouées au Zénith pour la première fois, qui s'appelle justement Udrin dans nous. Udrin dans nous n'est pas mau. Perché, per mu e che yatao. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire en nous mettant le doigt sur l'honneur? Oh, c'est exactement la suite de ce qu'on vient de dire là. C'est exactement la suite. C'est un peu d'honneur, quoi. Un peu d'honneur. Il y avait une expression en bernais, oh, denzakere maizu, qu'il y a gendauno. Il y a du monde qui a de l'honneur. Et on le disait de la dauna. La daouna en Béarn, c'était la maîtresse de maison, qui était avec. C'est elle qui manéait tout, qui dirigeait, on l'appelait la daouna. Et moi, j'ai connu l'honneur de ces familles bernaises, l'honneur de recevoir, l'honneur de faire le pot-au-feu, le farci, de la poule du bouillon, la poule du bouillon, etc., etc., jusqu'aux quatre quarts à la fin, si tu n'étais pas mort. Et il y a cet honneur de la maison, tout ça, moi je trouve que c'est merveilleux, mais en même temps une solidarité. Je me souviens quand j'étais gosse, ma grand-tante qui partait chez la voisine qui était toute seule quand elle était malade pour passer la nuit avec, et elle apportait la soupe. C'est ça. C'est ça l'honneur. Et puis l'honneur qu'on ne te prenne pas pour la carte postale. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette phrase, au Zénith, sur cette nouvelle chanson, qui résume un peu toutes les autres, Irin Daunu, Nohe Pamau, Perke, Permu, Ekeyatao. Un peu d'honneur, ça ne fait pas de mal. Pourquoi? Parce que. Et c'est comme ça. Et je sais que ça résonne dans tous les gens. Ça résonne parce que j'ai trouvé dans ce comportement qu'avaient des gens par chez nous, j'ai trouvé énormément d'honneur, énormément de fraternité, de vivre ensemble. Et de dévouement aux autres. Je vais dire quelque chose maintenant à laquelle je tiens beaucoup. Pendant ces 50 ans qu'on a chanté, des milliers de concerts, milliers de rencontres, de gens qui étaient des fois bien chalumés, on n'a jamais eu un mauvais geste, jamais eu une bagarre, jamais eu une rixe, ni une violence dans les concerts de Nadao. Jamais. En 50 ans. C'est qu'on doit être porteur quand même d'autre chose que ce qu'on voit maintenant un peu partout. Et je suis quand même fier de ça, au moins de ça, c'est-à-dire de finalement d'être porteur de choses positives et pas triste du tout. Bon, on pourrait prolonger l'entretien à loisir parce que c'est un régal de t'écouter, mais est-ce que ça vous dit qu'on se quitte en chanson quand même? Alors, il va falloir que tu me... La veste qu'il y a pour ta la cour de où, hein? Oui. Qui y a qui où? Non, qui y a pas, non. Bon. Ah, ou t'amènes que vous pouvez cantar a cappella? Oui. Ah. Et... Oui. Comme c'est la période de Noël,
On en profite quand même pour dire que qu'il y a une tradition de chansons de Noël merveilleuse dans toute l'Occitanie. Je ne sais pas si vous connaissez Sunat Campanet et tant de toutes celles-ci. Toi, tu as écrit des chants de Noël aussi. Tu as écrit Nada Utabatiste. Ah, j'ai écrit une chanson sur la nativité. Et c'est une berceuse dans l'étable, vous savez, quand il y a l'enfant qui vient de naître. Et il y a Marie qui lui chante une chanson. Dehors, il y a tout le monde qui est là. Il y a plein de monde. Il y a des artisans, des ouvriers, des paysans. Il y en a qui bouffent des sardines, d'autres du homard. Il y a les rois mages qui sont en train de fumer des substances illicites à la porte de l'étable. C'est pas la mienne. Et Marie qui chante Sum 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 Mainaji Sum 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 Mainaji Sum Sum Que l'angelus qui s'adrum per la campagna Sum Sun sun mainaji sun 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 mainaji sun sun Que l'enfant Jésus que drum De sur la paio. Bon, dans les fêtes de Dax, dans ton numéro, tu te plains de la pendule qui indique pas le bonheur. Moi, c'était le décompte que j'ai en face. Il y avait un 1 que je voyais pas. Donc, tu vois, je nous ai fait lever. Trinta pleu. Parce que m'a profita ta canta. Que podem cantar tutta la canzone. Que vamos a cantar el mundo. Ciao. Sei un país e io flu e io flu e io flu che la peram la dell'amu la dell'amu la dell'amu e haut pero van camina Van camina de Catalin Mortelo, out pero, van camina, lo país van cerca. Ausundo mai, que ya yo luz, que ya yo luz, que ya yo luz. Chi ca guarda los ways de sus ways de sus los ways de sus e haut pero van camina de captalim mortelo haut pero van camina lo país van cerca Quins cau trauca, tu lo segas. Tu lo segas, tu lo segas. Tan sarrapa, son que las más. Son que las más, son que las más. Y afecta, hey, hau, pero van camina de Catalin Mortelo, hau, pero van camina, lo país van cerca. Lieu beiran pas, llamei la fi. Llamei la fi, llamei la fi. La libertat que lo camí. Que lo camí, que lo camí. Ja feta, hey! Hauperot, van caminar
Cattali Murtello Outpero Pancamina Pancamina Lu Pais Ban Cerca Apres Lumai Uniaute Mai Après la lutte, une autolutte. Une autolutte, une autolutte. Out pay road, bam camina, bam camina de captali murtello. Out pay road, bam camina. Van camina lo país van cerca. Hey, out pero van camina, van camina de captalin mortero. Out pero van camina lo país van cerca. Un grand merci à Yann Denada et à vous ce soir. Que manco per lo xiulet. Aquellos montaños que tan altos son me empachón de verde más amor son se candi io che candi candi paz per io candi per ma bio che io pres de io si sabi las vede un las rencontra passeri laigeto sins podem nega si canti io che canti canti pas per io canti per ma mio che ho pres de io aqueros montaños che s'abaixeran e mas amoretos che pare Cheran se candi io che candi candi vas per io
Des Deum se candi, io che candi, candi pas per io, candi per ma mio, che io pres de. Adi Charmonde. J'ai envie de finir quand même avec un jeu concours. Vous êtes prêts? Alors, le gagnant gagne une soupe gratuite chez Loustalotte à Dax. Est-ce qu'on peut afficher l'image 6, s'il te plaît? Puisqu'on a parlé un peu d'Aounou. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez un certain attachement pour cette culture, qu'elle est la vôtre, que vous l'aimez. Et une manière de la rendre présente dans l'espace public, ça a été dernièrement de faire des panneaux en bilingue. Ce qui nous amène au grave problème de l'écriture. Parce que comme vous savez, vu que notre langue est une langue sans état, elle n'a pas eu de processus d'unification, et donc on ne sait pas exactement comment il faut l'écrire. Il y a eu différents projets en ce sens, et celui qui finalement a été retenu, au point que maintenant, quand on l'enseigne à des enfants à l'école, c'est ce système d'écriture-là qu'on utilise, et c'est le système d'écriture qu'utilise sans cesse Nadao. Bon, pour l'anecdote, ça s'appelle l'écriture classique, parce qu'elle renoue avec l'orthographe des textes qui sont écrits en béarnais, mais pas depuis 50 ans, depuis 5 siècles et plus, jusqu'au troubadour. Si vous regardez la grande plaque des forts de Béarn, donc ce texte juridique médiéval, emblématique de notre culture, qui a été affiché au EDAS sur les locaux de la Ciutat, vous verrez que c'est le même système orthographique qui est employé. Mais alors, si nous avons Spra ou Epex, on n'est pas capable de le lire, il y a quand même un problème. Donc vous prononceriez ça comment? Je sais qu'il y en a qui savent. La Hurcade, bon, c'est la même chose. Donc, si vous le savez, s'il vous plaît, dites-le autour de vous. D'accord? Qu'on n'entende plus le présentateur au stade de Pau dire que notre hymne, c'est la Uñada. D'accord? Voilà, c'est juste ce problème. Le O, s'il est tout seul, il se prononce OU. Voilà. S'il se prononce O, c'est qu'il y a un accent grave. S'il y a un accent grave, on fait le O ouvert. Voilà. Donc là, c'est HUR. Et il y a le A final. Le A final, c'est ce son si particulier qui est propre à toutes les langues occitanes, qui est entre le E et le O. On ne peut pas le définir. C'est pour ça qu'on entend Nadao chanter Marie. Bon, chez nous, on dit Marie. Lui, il dit plutôt Mario. D'accord? Et c'est vrai qu'en Bigorre, c'est la même chose. Pourquoi on l'a écrit A? Parce que c'est le A de la terminaison féminine qui vient du latin. On est une langue romane. On est une langue qui vient du latin. Et c'est pour ça qu'on a gardé ça. Et surtout parce que quand on a le E en fin de mot, on va dire E, l'umunde, parce que ça se termine avec un E. Donc comme on avait ce problème-là, on n'a pas gardé le E comme ça en fin de mot. Voilà, c'était pour se réconcilier un peu avec cette présence officielle de notre langue et arrêter de la percevoir comme un ennemi. Je vous remercie. Thank you.